peut-être pas finir là-dessus, on va peut-être faire autre chose, non, je sais pas, pour clôturer la saison. Ouais, bon, je vais peut-être mettre un piano. Ouais. Si, c'est pas mal, ça. Bon, c'est le morceau d'hier, hein, je me foule pas non plus. Je vais pas jouer tout seul, hein. Robin, tu me fais une basse ? Ouais, fais-moi une basse tranquille, un truc rond, propre, carré. Voilà, ouais, ça c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Ok, ouais, nickel. Nickel, tu descends. Ouais, bon, là, c'est super simple, hein, t'as vu, il y a 4 accords, on va y arriver. Et Daniel, tu me fais un truc de Rital, je sais pas, un truc à cordes de Rital, une mandoline. Ouais, ah oui, ça c'est... Oh, bref, nickel. C'est ce qu'il fallait, tu vois, là, on a vraiment l'ambiance. Tu sens la 4 fromages, là, elle est en train de gonfler, tu vois, c'est une pâte molle, il y a tout ce qu'il faut. Bon, bah, on va voir ce qu'on peut raconter, hein. On va parler de la saison. Ça commence en retard, ça finit toujours tard. Et Daniel qui répète, je vais tâcher de faire plus court ce soir. Dany Live, venez tiper 1 euro, une question dans le respect. Ouais, c'est vrai, je suis pas votre but, quoi. C'est pas parce que vous payez, vous pouvez me demander de me sucer la bise ou de faire une roulade ou je sais pas quoi. Enfin bref, allez vous faire enculer, quoi, c'est bon. On parle de tout, du corona, des films de culte, bon vieux corda. Et chaque dimanche, ce cinéma, Francis le fou contre Yulia. C'est moins bon que Sega. Oui, franchement, s'éclate. Ça parle complot, un petit vaccin de terre plate. Un soir, j'avoue, j'ai pris peur quand j'ai vu Daniel danser sur Victor le nettoyeur. Victor, nettoyeur. On lui cherche un adversaire. On a fêté même son anniversaire. Il prend le taureau par les cornes. Même si ça fait péder ça en histoire de licorne. Daniel, c'est comme Highlander. Même si c'est pas un frappeur, à la fin, il n'en reste qu'un. Il s'en souviendra bien, Henri de Lesquin. On a parlé littérature, Julien a parlé de manga. Japonais, Daniel, on ne se moque pas. Salamericano-sioniste avec ton coca. Il a même été sur d'autres lives, c'est vrai. Teddy Boy Raquet et Gros Blanc Ragé. Enfin, tout ça c'est marrant, mais c'est fini. Fin du confinement, Daniel souffle la bougie. Bon, ben, ça y est, je pense que c'est terminé. J'espère que ça t'a plu, Daniel, tout simplement, et que tu rigoles bien et que tu l'as mis en live pour clôturer toutes ces émissions. Et puis ben, j'espère que ça aura fait rigoler tout le monde. Et il reste plus qu'à dire bonne nuit, moi je serai déjà couché sûrement parce que je me lève tôt, je me couche tôt, bref, je suis une vieille. Donc bonne continuation tout le monde, envoyez des dons à Daniel ou pas. Écoutez ces émissions ou pas, faites-vous plaisir. Généralement, si vous les écoutez, vous entendrez ce message. Sinon, peut-être que les mecs qui écoutent sur ma chaîne vont quand même se dire ce jour-là, c'est quoi ce bordel, on aurait dû avoir du piano, à la place on a une chanson bizarre. Bon, Robin, tu peux arrêter la basse, hein, c'est bon. Et Daniel, la mandoline, c'est ouf. Tu joues que 5-6 notes quand même, faudrait te détendre un petit peu. Ouais, bon, tout est dit, je crois. Salut tout le monde.